SFM Bâche vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres. Bureau commercial, si à la Riviera Palmeraie, route de Bégerville, Carrefour Ferronnerie. Contact 07 07 47 37. SFM Bâche, votre événement, notre engagement. Yo la famille, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super, super, très bien. En tout cas, le dimanche, je commence très bien parce que je vais déjà vous offrir cette vidéo-là. Aujourd'hui, dimanche, c'est déjà bon. Donc, passez une excellente dimanche depuis votre position, depuis les quatre coins du monde. Voilà, merci de toujours me soutenir. Continuez à vous abonner, partager, commenter. Merci pour ces 21 000 abonnés-là. C'est vraiment, il y a vraiment du jeu dedans. Ok, dans cette vidéo, je vais faire certaines remarques et puis vous allez me dire en commentaire si j'ai menti ou pas. Voilà. Bon, le constat est qu'on voit que Victoire de Kérosène a fait reculer plus d'un. Voilà, je m'explique, hein, Victoire de Kérosène. Le son est tellement lourd qu'il a fait reculer plus d'un. Plus précisément DJ Mix, parce que DJ Mix normalement devait sortir son album de 19 titres le 19 septembre, ce 19 septembre là. Mais on n'a pas compris, on n'a pas eu d'infos, on n'a pas eu de trucs, on va dire quoi, de communiquer pour nous dire que non, la date de sortie de l'album est reportée à une date ultérieure et tout. Franchement, parce que les petits bouts que Kérosène avait envoyés dans les vidéos, depuis BBT Record, depuis sa page en direct, franchement, je pense que ses collègues ont entendu le son et ils ont préféré que la ferveur de ce son-là descende un peu en mode de sortie. Parce que moi, franchement, DJ Mills, pour ceux qui ne savent pas, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Donc, j'attendais ton album. J'attendais vraiment ton album. Je ne sais pas si c'est De Bordeaux qui t'a fait peur ou si c'est Kérosène, mais moi, je crois fort bien que c'est le victoire. C'est le son victoire de Kérosène qui rétade, si tu voulais, qui a reporté la sortie de cet album-là. Parce que franchement, le son est tellement lourd. Il est très, très lourd. Et là, je dis vraiment félicitations à DJ Kérosène. Franchement, félicitations. Parce que mine de rien, DJ Mix, ton album, c'est aussi attendu. Hein. On attend ton album. Et comme tu avais dit, ce 19 septembre-là, on était tous aux aguets. On attendait, ah, le son sort, l'album sort quand il est sorti ou pas. Voilà, donc dis-nous déjà dans une de tes vidéos, dans tes prochaines vidéos, à quand la prochaine date de la sortie de l'album, pour qu'on soit plus situé, parce qu'on t'attendait aussi. Parce que mon artiste de Bordeaux, il a été fait dormir. Voilà, faut pas oublier ça. Je sais pas si c'est ce qui t'a fait peur aussi, mais moi je dis toujours que c'est Kérosène. Franchement, parce que le son de Kérosène me fatigue. Je vais chanter un peu ce petit bout-là pour faire un gros big up à Kérosène. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Y'en a qui ont dit je ne peux pas, y'en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Quand en vérité, mes amis, moi je viens de loin, le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Donc les amis, franchement, ce son-là, il est tellement lourd. Il a fait trembler tous ses collègues. Bref, je viens maintenant sur mon artiste De Bordeaux. Bon, De Bordeaux, c'est une petite vérité. Il faut apprendre ça en mal, quoi. Tu as fait plusieurs vidéos où tu nous disais que tu nous préparais une bombe ce septembre-là. Moi, je suis au courant. Je sais que la bombe est déjà prête. Je sais qu'elle est déjà prête. C'est déjà fini. C'est pas une bombe, j'avais dit même. Voilà, parce que ce que j'ai écouté, c'est deux ou trois bombes déjà. Qui sont déjà prêtes, mais apparemment on comprend pas le père. Le père, je comprends pas. Nous sommes en septembre, hein? Septembre finit dans 7 jours. Tu n'as donné aucune date de sortie. Bon, peut-être parce que Mix n'a pas fait sortir son album, tu as voulu reporter aussi parce que tu n'es pas en concurrence avec Kérosène. Ça, c'est moi, je le dis. Voilà, c'est vrai que à cause du clash, tu as bien voulu montrer à Mix que c'était toi, mais franchement, faut nous situer aussi parce que septembre est en train de finir. Et puisque je me remets ici aussi. Évite de nous donner des dates, évite de dire certaines choses que tu ne seras pas dans tes vidéos. Parce que ça nous discrédite et puis ça te discrédite toi-même aussi. Voilà, c'est pas intéressant. Il faut être un homme de parole, quand tu dis quelque chose, il faut le faire. Nous on sait que ce qui va sortir, ce sera bon. Mais nous on est branchés. C'est vrai que tu peux nous surprendre avant la fin de ce mois de septembre là. Mais on reste toujours sur notre soif quoi. Parce qu'on attendait, que peut-être que après la sortie des Kérosène, peut-être le 22 ou le 21, tu allais enchaîner aussi. Mais bon. Comment connaître ta méthode de travail pour nous situer. Mais moi, personnellement, je ne suis pas trop content, hein, le père. Je ne suis vraiment, vraiment pas content. Voilà. Donc, il faut te presser. Je ne te mets pas la pression. Ce n'est pas pour te mettre la pression, mais tu nous avais dit. Je me bats toujours sur mes propos. Quand moi, je fais une vidéo pour dire que De Bordeaux doit sortir tant, c'est parce que De Bordeaux a dit dans ses vidéos qu'il va sortir tant. Donc, veuillez me comprendre aussi. Voilà. Et puis, restez vraiment à l'écoute. Sinon, je peux vous rassurer. Voilà, je peux vous rassurer.
Les bombes sont déjà prêtes. C'est des sources sûres qui m'ont dit. Et puis, je peux vous rassurer. Maintenant, la question est la date de sortie. Je ne sais plus, honnêtement, sans vous mentir. Ils nous avaient dit ce mois de septembre-là. Mais peut-être, comme le mois de septembre n'est pas encore fini, je vous demande de rester toujours branché. Parce qu'avec des bonus, c'est toujours des surprises. Et c'est toujours des agréables surprises. Voilà. Mais le père, tu nous as dit en septembre. Si c'est plus en septembre, fais-nous une vidéo pour nous dire c'est reporté. Là, au moins, on est situé. Donc, big up la famille. C'était ma vidéo du jour. Partagez-la si ça vous a plu. Et que Dieu vous bénisse tous. Très bon dimanche à tous et à toutes.